peux revenir? Ouais, à coup sûr, tu vas voir. Hey, guys! They're a chicken there. Excuse me! Hey! Hello! Hey! Woo, woo, woo. Hey! Hey! Hi! What's your name? What? Jim. Moi, c'est Mireille. Et elle, c'est Marie. Marie Baie des Anges. Baie des Anges? Pourquoi Baie des Anges? Parce qu'on habite ici. Ici, c'est la Baie des Anges. Marie ou Marie Baie des Anges, comme on l'appelle ici, est Lolita des plages. Petit cœur excessif, livré à lui-même, et qui cherche dans les écarts de la jeunesse le calice des plaisirs. Tu connais Goran? Ouais? Pourquoi, t'es son copain? Tu lui veux du mal alors? C'est toi, Shurek? Tu me donnes ton nom et je te donne le mien. Je m'en fous de toi. Comment tu me parles? Vous le connaissez celui-là? Marie ne veut rien manquer de la fête, que rien ne lui soit interdit. Tous les jeux des garçons, elle peut. Les scooters, le foot, les bagarres, ça ne lui fait pas peur. Et être aussi une fille, la mieux qui soit. Amante et douce, elle est Marie Baie des Anges. J'étais avec Mireille tout à l'heure, il y en a un qui est pour Mireille, c'est sûr. Mireille, merci. Si vous lâchez trois mots de français, bon, avec trois mots de d'anglais, on essaiera de faire. Dis donc, ils se pressent pas, hein. Un seul été de ses 15 ans, comme on n'a qu'une vie. Et c'est quoi pour toi, le bonheur? Je sais pas. Moi aussi, je sais. Et pour de toutes les filles comme elle qui s'adonnent à l'été des amours, elle est la plus belle, et on ne remarque qu'elle. Et l'action de Marie Baie des Anges, c'est l'allégresse des pas de Marie dans la joie de l'été. Rien ne doit manquer à son bonheur. Et la Baie des Anges, en être son Éden, en même temps qu'elle en est pour Orso, comme un jardin trop beau, son vertige. Maintenant, tourne ton visage pour regarder vers la mer. Ça va, là? Plus bas. Pas sur les fesses, quand même. Non, là, ça va. Je peux te demander une dernière chose? Quoi? T'es déjà sortie avec un Américain? Ouais. Plusieurs fois, même. Ils ont quel âge? Je sais pas, t'auras qu'à leur demander. 20, 30? S'ils me demandent le mien, je dis 17. Je rigole pas si je dis ça, hein. 17? Ils te croiront jamais. Dis 15, à 15, tu peux tout faire. D'accord, moi 15. Et toi, je dis 17 si tu veux. Alors, Roxane, est-ce que t'as été surprise de... nous voir? Bah oui. Et t'as fini l'école, hein, ou tu vas encore? J'y vais encore. Ouais. Et t'habites près d'ici? Oui. À quel endroit exactement? En face du rallye. Et l'été, qu'est-ce que tu fais en général? En fait, ça dépend. Et tu vas te baigner, est-ce que t'aimes beaucoup nager? Oui, mais j'aime pas la plage. Ah bon? Et pourquoi? C'est trop pollué. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça se voit que tu l'aimes pas. Il est trop gentil pour moi. Dis-lui. Bon, allez, on va fêter ton baptême. Tiens, bois. Il est comme ça, la tête. C'est tout malin. Come ti chiami tu? Orso a 17 ans. Les 17 ans en bataille. Il a quelque chose du Lacombe Lucien Louis Malle. Une sorte de fascination qui s'exerce dès le premier plan, autour de la violence, de quelque chose d'obscur ou de fier dans son visage. Il est brutal, cruel, naïf, courageux. Il est, comme on dit, capable de tout. Bravo, tu fai anche a parte. Non ho capito. Fai anche a parte. Può arrivare. Può dire anche lui. Le film, entre toutes les séquences, compte une cinquantaine de garçons.
Ils seront les groupes de plongeurs flanqués sur les plus hauts rochers dans les après-midi de fête, les hooligans refoulés du stade par la garde à cheval, les passagers clandestins des trains de nuit. Vuoi lavorare con noi? Domenica e lunedì, eh? Perfetto. Come ti chiami? Immigré de la baie des Anges, tout cela est d'ailleurs, amis d'un jour, d'une complicité éphémère, réunis dans le sud français, comme dans le Tony de Renoir, au milieu des lauriers, des agaves et des villas châteaux. Où tu viens, toi? Et pourquoi t'es pas parti? Voleur, voyou, orphelin? C'est très bien comme ça, vous voyez. Par exemple, ce plan-là, comme ça, c'est le plan que j'imaginais avant que vous retourniez au centre de redressement. Comme ça. Donc pour moi, vous avez finalement pas besoin de forcer le trait. C'est-à-dire que ça passe vraiment que par le regard. Je lis et je jette. Quand tu les as, tu les as pas. Tu as besoin de compter. Moi, je t'ai dit 12 000. Si tu as 10 000, moi, je... Non, mais plus de 10 000, je peux pas. Hein. Eh ben non, mais... La délinquance de Marie Baie-des-Anges est particulière. C'est pour moi important de la décrire, de la différencier de ce que l'on connaît en banlieue parisienne. Cette délinquance au bord de la Méditerranée m'intéresse parce qu'elle est un mélange d'urbanité, de paysannerie, de vagabondage. Une délinquance de plein air, proche de l'Italie, de l'Espagne, et qui a, dans ses attributs, évolué moins vite que dans les grands centres urbains du nord de l'Europe. Tu peux me faire sortir, toi? Cette délinquance, dans son allure composite, m'intéresse jusqu'à son vêtement. Muscles de triton, d'une adolescence rompue au soleil, au bain de mer, en t-shirt et pantalon de toile. Marie Baie-des-Anges cherchera à en ôter le sordide pour n'en retenir que la belle jeunesse. Au chauffeur, elle dit, je ne vais pas rentrer avec mes seins. Et puis l'homme, il dit, oui, parce que moi, je rentre bien avec mes couilles. T'aimes bien parler comme ça devant la caméra? Ça te fait pas flipper? Ben non, je savais pas apprendre encore. Comment? Ça va. T'es pas du tout timide, en fait? Non. Non? T'es un animal? Ouais, je vais dans un aquarium. Trois chats, six cages de oiseaux, j'avais des rats à la taille de Jusper, un souris, souris. Ah, mais c'est un zoo chez toi? Ah, c'est ce que j'ai dit à ton copain. T'as pas des serpents? Non. Et t'as des iguanes ou des crocodiles? Non. On a ça, un requin, un bébé requin. Perroquet, quand même? Un bébé requin. Un bébé requin? Oui. Ah ouais, il a quel âge le requin? Je sais pas. La dernière fois que t'as pleuré, c'était pourquoi? C'est parce que c'était mon collège. Ils m'ont envoyé une lettre d'école que j'ai séché 38 fois. Ça n'est pas vrai. Quand j'étais en 6e, je séchais tous les jours. Qu'est-ce que tu faisais quand tu séchais les cours? Je traînais dans les bus. Et mes parents ne savaient pas. C'est le reste de la nourriture. T'es un solitaire? Je sais pas, mais à chaque fois que je traîne, c'est toujours tout seul. J'ai voulu à Chaplin. Et ça, c'est la mode entière. Et après, on s'est fait courser par les flics à tracer. Et après, notre pauvreté, c'est qu'on a fait un cambriolage dans un club. Ouais. Et j'étais convoquée au commissariat. Après, chez Bocara, le juge. Depuis là, j'ai arrêté. C'était il y a combien de temps?
Un an quand même. Ah ouais, depuis un an, t'as pas fait de conneries, hein? Ouais. J'ai arrêté de faire les conneries. Et la cassette, ça va passer où? Hein? La cassette, ça va passer où? La cassette, là? Ben, je vais la montrer à Manuel. C'est le réalisateur. Hein. Ce serait bien content, ça, en prendre. Ils sont dehors le soir. Oh là là, oui. Là, une fois, on est passé au tribunal, il n'y a pas longtemps. Là, il y a Paul, il y a Marie. Ouais. Donc Jonathan et puis il y en avait non, un autre. Non, lui, il était pas. Les frères, Petit Mamadou, ils font des congrès au bas. Moi, j'étais là. Ouais, c'est bien, tu vois tout ici. Et là, il y a toute la cité. Non, là c'est trop relevé. Normalement, tiens-toi normalement ton manteau. Voilà. Allez, on y va. Oh, tu plies comme ça là. T'as peur? T'as pas du feu? Tu regardes pas dans tes poches? Arrête quoi. Tu vas où? Tu veux qu'on t'emmène? On t'arrête là. Mais là, je te connais, je suis Rêve, ma belle. Et d'où tu me connais? Mais en fait, tu vas me dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Swan. Ouais. Swan Carpio. Tu peux parler plus fort? Ouais, je peux parler plus fort. Je m'appelle Swan Carpio. J'habite à Taverny, dans le Val d'Oise, quoi. Baisse l'arme maintenant. Marie Bédésange est le journal de sa délinquance. Journal d'un été à la poursuite d'une arme, pour grandir dans la violence. Journal ordinaire et tragique d'une escalade. Marie ! Plus fort encore. Marie ! Jusqu'à ce que l'absurdité Marie du monde et le désespoir de sa condition le renvoie à son ambition, à la vengeance et au règlement de compte. Une escalade, amoureuse des périls, Marie qui retombe sans gloire, dans la banalité du fait divers. Et vas-y, maintenant tu revises ouais, face caméra, comme tout à l'heure. Orsou est d'aujourd'hui, son destin est celui d'une jeunesse livrée à elle-même, solitaire, désespérée et vigoureuse, et qui a grandi au milieu du jardin mirifique de la Côte d'Azur. C'est là son élixir et son poison. Il appartient au monde clandestin des trains de nuit qui croisent vers l'Italie. Sourire. 28-1 sur 2, quatrième. Appuie-toi sur Yann. Dans une baie des anges magnifiée et rendue à la terreur, Orsou est exceptionnel dans sa vitalité, dans sa force, son audace. T'as un problème ? Il en arrive à être beau. Il pourrait sortir du monde très particulier des cabanes, entre l'âge préhistorique et le monde moderne. Voilà, peut-être un peu plus relevé pour que je vois plus tes yeux. Il a trempé chacun de ses muscles dans le défi physique, la fureur de vivre.
Et, à 17 ans, il montre le visage fougueux et abîmé de son orgueil. Voilà, voilà, ça c'est bien, voilà. Relève un peu ton visage, comme ça, voilà. Ça c'est bien, voilà. Là c'est super, ça va, Ina, donne un petit regard vers moi sans bouger ton visage. Voilà, ça c'est trop. Voilà, là c'est le visage dur, ça c'est très bien tout le ça. Là je sens que ça vient, c'est bien, je suis content. Quoi qui vient? Non, que le fait que les choses se mettent en place et que vous ressemblez à ce que je voulais. Quoi. Ah, vous êtes très beau. Ah. Stop! Lâche ça! Ah! Odonne! Allez, viens, fous le feu! À mon tour! Elle a que mes kidmates avec une caméra. Qu'est-ce qu'il y a à vous regarder? Je vous relâche pas, 88 sur un quatrième. Action. La baie des anges mythique n'existe plus en lieu et place. Première résistance au film d'une côte dénaturée, défigurée, et qui n'aura gardé qu'en de rares endroits la splendeur du nom. Alors le film a pour tâche d'aller chercher plus loin, de poursuivre cette baie des anges vers d'autres rivages, de réinventer le mythe au-delà de ses frontières, de réajuster plan à plan l'antiquité de sa beauté. 30. C'est un décor à la madrague pour peut-être marier avec les Américains dans une virée. Dans la descente de l'hôpital Bru, je crois, de l'hôpital de Lyon, vers l'accès mer. Le domaine du Défunt à Port-d'Alon. Une baie des anges splendide et féroce, comme une menthe religieuse, recomposée pour la circonstance, de Barcelone à Rome. Viens me parler, fais demi-tour. Fais demi-tour. C'est samedi alors. Ça va faire comme ça, bouger avec. Là. Hop, c'est un super gros plan là. T'en veux pas? Demande à papa, il va t'aider. J'en veux pas! Mais ça va pas, t'as vu comme tu le maltraites? Oui. Pourquoi tu fais Pourquoi ça? Ça te dérange? C'est ton fils! Non! Si, c'est ton fils! Non, j'en veux pas! Tu l'as fait avec moi, c'est le tien! Non, j'en veux pas! T'as compris ça? Mais tu m'énerves, prends-le! J'en veux pas, t'as compris? Tu veux que je le jette? My name's Bob. Bob Williams. Sorry. US Marines. Chaque mois, à Toulon, ou Villefranche-sur-Mer, les bâtiments de la 6e flotte lâchent des centaines, voire des milliers d'Américains pour quelques jours. Ce n'est pas simplement une réalité locale, anecdotique, désuète.
Toulon, quand les Américains sont là, ressemble à Gênes, à Naples, au Pirée. La Méditerranée devient l'identité commune, plus large que la réalité hexagonale. Je comprends rien ce qu'il dit, hein. Bon, allez, on joue. C'est un moment, tu trouves qu'il en fait trop. Soit tu lui dis et tu l'engueules, soit tu lui fous une baffe ou un truc comme ça. J'ai rencontré les inévitables Rambo qui ne m'intéressaient pas. Mais surtout une Amérique touchante, espiègle, lycéenne, je dirais. Déracinée aussi comme les garçons de la plage, dont j'espère saisir auprès des personnages la nonchalance, l'ennui, l'oisiveté, la bonne humeur. Quelque chose entre la comédie américaine et les amours d'une blonde. Kiss me. Give me kiss. Corinne, viens des femmes. Corinne. What? Like that? Hey! What are you doing? Hey! Blues, red stripes, sand.